I say, let us clap to the Most High God. Amen. Amen. Now lower your hands and then put them here. Let us clap to the servant of God. Not on top. Here. Yes. I don't want you to die. Amen. You can't share the glory of God. And you will not die, you will live to declare the mighty works of God. Amen. Amen. I want you to pray with me. Just lift up one hand. And say, Father, et tu, Père, in your presence I stand. Dans ta présence, je me tiens. I ask you, je te demande, take full control, prends total contrôle, over my life, sur ma vie, in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Every spirit, cet esprit, hovering, in my life, sur ma vie, that is not your spirit, qui n'est pas ton esprit, tonight, ce soir, I disconnect myself, je me déconnecte, with those spirits, avec ces esprits, in Jesus' name. Au nom de Jésus. Spirit of the dead, esprit de mort, spirit of the witches, esprit de sorciers, spirit of the evil one, esprit de méchant, spirit of the wicked, esprit de méchant, has no power over my life, sur ma vie, in Jesus' name. Au nom de Jésus. Say amen. Dis amen. Okay. The other prayer that we're going to pray now. Une autre prière que nous allons faire maintenant. I am praying that you will prosper. Je prie que tu puisses prospérer. Amen. Amen. And the prayer of prosperity is not about money. La prière de la prospérité n'est pas question d'argent. The Bible speaks about prospering in your soul. La Bible nous dit de prospérer spirit, dans ton esprit and body. Et dans ton corps. Alors, so right now, before we continue any further, avant que nous puissions avancer, let your soul be connected to him. Que ton esprit soit connecté à lui. May your soul prosper. Que ton âme prospère. Because when your soul prospers, parce que lorsque ton âme prospère, you will be wealthy. Tu seras en bonne santé. You will be sharing. Tu seras riche. The goodness of the Lord. Tu vas partager la paix. In the land of the living. Sur la terre de Dieu. And I pray right now, et je prie maintenant, that your soul, que ton âme, your body, ton corps, and your spirit, et ton esprit, you will prosper in Jesus' name. Tu vas prospérer au nom de Jésus. Are you ready? Est-ce que tu es prêt? So now I want you to touch your body. To your body, just touch your chest here. Je veux que tu puisses toucher ta poitrine. And say, my body, et dis mon corps, everything that is within me, toute chose qui est au-dedans, everything that is within me, toute chose qui est au-dedans, every organ in my body. Praise the name of the Lord. You will prosper. Healing in this body. Healing in this body. Healing in the name of Jesus. Say amen. Now put your hand on your belly, main sur ton ventre. And say with me, in the precious name of the Lord Jesus. Au nom précieux du Seigneur Jésus. My spirit. Mon esprit. Hear the word of the Lord. Écoute la parole de Dieu. Be subject. Sois soumis. To the spirit of the Most High. À l'esprit de Dieu. Obey. Obey. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. Let the Holy Spirit. Le Saint-Esprit. Continue. Continue. To guide. De guider. You. My spirit. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Say amen. Dis amen. Now touch here. Just touch here. Not on the top here. La tête juste à côté. Because we are dealing with your mind. Parce que nous sommes en train de traiter avec ton esprit. Not your brain, pensée, your mind. Ta pensée, that's where your soul is. C'est là qu'est. Because your soul is it is the mind, will, and emotion. Parce que dans ton âme, il y a la volonté, l'émotion et le sentiment. They are all controlled in your soul. Il y a des contrôles dans ton âme. And the most of the time, the battles are in at your mind. Et la plupart des fois, le combat est dans tes pensées. The way you're holding your hand there. De la manière dont tu tiens là. The battle is between the flesh. La bataille est entre la chair. And the soul. Et l'âme. For the control of the spirit. Pour le contrôle de l'esprit. Sorry, the battle is between
the soul, the spirit. La bataille est entre l'âme et l'esprit. The spirit and the flesh. L'esprit et le corps. I say the battle is between the spirit and the flesh. Le combat est entre l'esprit et la flesh. For the control of the soul. Pour le contrôle de l'âme. As you hold your hands on your head right now. Comme tu mets ta main sur ta tête. We declare that the spirit of the Lord. Nous déclarons que l'esprit de Dieu. Will control your mind now. Va contrôler tes pensées. Will control your spirit now. Will control your soul now. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Seba Nami. Oh my soul. Glorify the name of the Lord. Glorifie le nom de l'Éternel. Everything that exalts itself against the knowledge of God. Let it be taken captive by the Spirit of God. Now, 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 in the name of Jesus, say amen. Now do this with me. Hold your hands here. Fold it and say, every stronghold in my life, in my mind, in my family, that is struggling with me, come down, come down, come down, come down, in the name of Jesus. Say amen. You may come to the Most High right now. Amen. And also you may sit down in the presence of the Lord. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Hallelujah. Amen. So yesterday we saw the progenitors of the blessings of God, and you should be one of them from now henceforth in Jesus' name. Et hier on a parlé sur la progéniture des bénédictions de l'Éternel, et tu dois être aussi un d'eux au nom de Jésus-Christ à partir de maintenant. Amen. Amen. Hallelujah. And if you do so, et si tu fais cela, then the Lord God Almighty is going to bless you in a mighty way. Alors l'Éternel Dieu va te bénir d'une manière très puissante. Hallelujah. Amen. There were some few things. Let me just do some recap for those people who didn't come yesterday. Je vais faire un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas venus hier. We dealt as you heard the man of God tell you. Et vous avez écouté l'homme de Dieu en train de vous dire. And we saw that Joseph perfected the blessings of Abraham. Et on a vu que Joseph avait perfectionné les bénédictions d'Abraham. And God said that Joseph would be blessed more than his fathers. Et Dieu a dit que Joseph sera béni plus que son père. And we also saw the source of all blessings is God. On a vu aussi que la source de toute bénédiction c'est Dieu. So if you're looking for blessings and you're not seeking God, then you'll never find any. Et si tu cherches des bénédictions mais tu ne cherches pas Dieu, alors tu ne les trouveras pas. Then I spoke only a few things how to acquire the blessings of God. Et je parlais sur quelque chose, comment acquérir les bénédictions de Dieu. So that you may become a blessing to generations. Pour que tu deviennes une bénédiction aux générations. And we saw there's some five, like I said five, but we'll deal with six. Et j'ai parlé sur cinq choses, mais nous allons aussi ajouter areas that you should perfect. Les trois endroits, les trois choses que tu dois perfectionner. And you saw the first thing is obedience. Et on a vu la première chose, c'est l'obéissance. Amen. Amen. Then I told you the second thing is righteousness. Et je vous ai dit que la deuxième chose, c'est la justice. Number three, I say, is faithfulness. Faith. Troisième chose, c'est la foi. That is believing. Qui est croire. And number four, we say intimacy with God. Quatrièmement, c'est l'intimité avec Dieu. Should be having that intimacy with God. Nous devons avoir l'intimité avec Dieu. And then number five, we spoke about now you can come to the stage of becoming a blessing. Et maintenant, numéro 5, on a dit, tu peux maintenant devenir une bénédiction. And then after that, I will show you what you will do when you become a blessing. Et après cela, je vais vous montrer ce que vous devez faire lorsque vous deviendrez une bénédiction. And so in obedience,
Et on a vu dans l'obéissance. We saw that obedience is the foundation of the blessings of God. On a dit que l'obéissance c'est le fondement de bénédiction. And also we checked out the journey of Abraham to Joseph, the character of righteousness, of obedience is evident. Et on a vu aussi dans leur marche d'Abraham jusqu'à Joseph que leur caractère était l'obéissance. Amen. Amen. And we saw that Abraham obeyed God. On a dit que Abraham avait obéi à Dieu. And because he obeyed, he became a blessing to many nations. Et parce qu'il a obéi, il est devenu une bénédiction pour beaucoup de nations. There is something that I want to show you. Il y a quelque chose que je veux vous montrer. I don't know if I spoke about the cost of disobedience. Je ne sais pas si je parlais du prix de la de l'obéissance. And also I spoke about the benefits of obedience. Et j'ai aussi parlé sur le bénéfice. The cost of disobedience. Le prix de l'obéissance. We saw that Samuel. On a dit que Samuel. Told Saul. A dit à Saul. Not to go and do some things. Ne pas aller faire quelque chose. Because God said you should not do that. Parce que Dieu a dit que tu dois pas le faire. Saul did not obey the word of God. Mais Saul n'a pas obéi à la parole de Dieu. And because he did not obey, et parce qu'il n'a pas obéi, he being called to be a pioneer king. Just imagine, there was no any other king in Israel. He was the first king. Lui qui était appelé à être un pionnier, un roi pionnier, parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas d'autre roi dans Israël. But he lost that kingdom. Mais il avait perdu le royaume. Because of disobedience. À cause de la désobéissance. Tell your neighbor, don't lose your territory. Dis à ton voisin, ne perds pas ta ton. Amen. Amen. And because he was told, go and demolish and also destroy everything in the Amalekites' land. Parce qu'on lui avait dit d'aller et détruire, démolir toutes choses dans la terre des Amalécites. Because he did not obey. Et parce qu'il n'a pas obéi. The Lord said. L'Éternel a dit. What you have done. Ce que tu as fait. It will cost your life. Va te coûter ta vie. And that of your kingdom. Et la vie de ton royaume. And also we saw something that God is not delighted in burnt offerings and sacrifices. Et on a aussi dit que Dieu ne se réjouit pas de obeying the voice of the Lord. Mais pas en obéissant la voix de Dieu. Because to obey is better than sacrifice. Parce que obéir est mieux que le sacrifice. Alors, when you disobey, lorsque tu désobéis, listen to this. Écoutez-moi. When you disobey, it is not bad. Lorsque tu désobéis, c'est pas mauvais. But it will become your character. Mais si ça devient ton habitude. Actually, towards God. Towards God. Ton habitude envers Dieu. Then you are digging your own grave. Alors tu es en train de creuser ton propre tombe. If you disobey, si tu désobéis, I'm telling you, when I show you the cost of disobedience, I don't have to much time to show you the cost of disobedience. Je n'ai vraiment pas assez de temps pour vous montrer les prix de. If I show you in the Bible those people who disobeyed God, si je vous montre dans la Bible les gens qui ont désobéi, who disobeyed the call and the message that God sent for them. Qui ont désobéi à l'appel et au. You will see what happened to them. Vous allez voir ce qui s'est passé. And also what can happen to you. Et ce qui peut arriver aussi lorsque tu désobéis. If look at John, we spoke also about Jonah. On a parlé de Jonas. Jonah disobeyed. Jonas a désobéi à Dieu. You're supposed to become a blessing to the Ninevites. Il était supposé devenir une bénédiction. He disobeyed. Mais il a désobéi. His disobedience. Et sa désobéissance. Was a cry to the traders, to the businessmen and businesswomen that were traveling together with him to Tarsus. Était de plaire aux hommes d'affaires qui voyageaient ensemble avec lui à Tarsus. Why? Pourquoi? He did not obey. Parce qu'il n'avait pas obéi. The call. L'appel. You know there are so many people. Here who have disobeyed the call. Vous savez, il y a beaucoup de gens ici qui ont désobéi. God calls you. Dieu t'a appelé. And then you disobey. Mais toi, tu as désobéi. You want to go to do some business. Tu veux que Dieu fasse. That business you will start. Le business que tu vas commencer. But you will not finish. Tu vas pas le terminer. Huh?
I'm showing you the cost of disobedience. Et je vous montre les prix des. Because of his disobedience. À cause de la désobéissance. People started to throw everything that they had bought. Les gens ont commencé à jeter tout ce qu'ils avaient acheté. Because they sense that there is something bad here. Parce qu'ils ont senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. And when you persist in your disobedience, et lorsque tu persistes dans la désobéissance, you become a rebel. Tu deviens un rebelle. Rebel, you rebel. And rebellion, et la rébellion, is what is making the church not to grow in the 21st century. C'est ce qui fait que l'Église ne grandisse pas dans ce 21e siècle. When you become to that stage, now you are more than a witch. Lorsque tu arrives maintenant à ce niveau-là, tu es plus qu'un sorcier. You are more than a witch doctor. Tu es plus qu'un féticheur. So I ask here. Maintenant, je demande ici. Do you have any witch in church today? Est-ce que nous avons un sorcier ici aujourd'hui à l'Église? Okay, sorry. Let me ask again. Désolé, je vais encore reposer la question. Is it by any chance any witch came to the church today? Est-ce que par hasard peut-être un sorcier est venu aujourd'hui à l'église? If you are here, don't worry. Si tu es ici, ne t'inquiète pas. You are in safe hands. Tu es dans tes bonnes mains. Today will not kill you. Aujourd'hui, on va pas te tuer. Because when you go to Kisi, they kill you. Parce que lorsque tu pars à Kisi, là-bas, on va te tuer. The Kisi land, they kill every witch if they suspect. Just suspect it. Chez les Kisi là-bas, on tue tous les sorciers juste parce qu'ils suspectent. Tu seras mis. What if they will come to the church? Et si par exemple, and so many who are disobedient. Et beaucoup de gens qui sont désobéissants. They are called rebels. They are rebelling against God. Ils sont en train de se rebeller contre Dieu. And if you will rebel against God. Et si tu te rebelles contre Dieu. Then you know what will happen to you. Alors tu sais ce qui va t'arriver. Hey, I will show you another person that disobeyed. Je vais vous montrer une autre personne qui a désobéi. His name was Moses. Son nom était Moïse. Moses. Moïse. Moses. The Bible records that he was the meekest man on earth. La Bible nous dit que Moïse était l'homme le plus doux. How can the meekest person disobey? Comment est-ce qu'une personne douce peut rebelle? Se rebeller. Uh-huh. And God punishes that sin. Et Dieu punit ses péchés. More than any other sin. Puisque tout autre est un péché. Hello? Amen. Moses was told by God. Dieu avait dit à Moïse. When you go. Lorsque tu iras. Go and glorify me before the people. Va et glorifie-moi devant le peuple. Just take your rod. Juste prends ton bâton. Point on the rock. Montre, c'est la pointe sur les rochers. And tell the people that God is going to give you water et from the rock. Dis aux gens que Dieu va vous donner de l'eau de ces rochers. And I will do it. Et je le ferai. But when he went there, mais quand il est parti là-bas, pride, l'orgueil, and some things, arrogance, and he felt that he is the most important person. Et l'arrogance, il a senti comme s'il était. Did not obey. Il n'avait pas ce que Dieu had called him to do. Lui a dit de faire. We are not on the same level. Nous ne sommes pas dans le même niveau. Are you listening? Est-ce que tu entends? We are not on the same level. Nous ne sommes pas dans le même niveau. The level of your punishment is not my level. Le niveau de ta punition n'est pas le niveau de ma punition. As the Lord will punish you according to the treasure which he has bestowed on you. Et l'Éternel va te punir selon le trésor qu'il a déposé en toi. If God overlooked that sin of Moses, si Dieu avait considéré ce péché, each and every one of us nowadays we should be rebelling and disobeying God. Alors si Dieu n'avait pas regardé, considéré ce péché, alors aujourd'hui nous tous nous serons en train de désobéir à Dieu. But do you know what God told him? Mais vous savez ce que Dieu lui a dit? Because you did not do that and obey. Parce que tu m'as pas obéi et tu n'as pas fait ce que je t'ai dit. You will not enter into that land. Tu n'entreras pas dans cette terre. Hey. You will not enter. Tu n'entreras pas. And that sin. Et ce péché. God made sure that it's written in the Bible.
Dieu se rassurait que c'était. And you know who wrote it? Et vous savez qui l'a écrit? Moses himself. C'est Moïse lui-même. Can imagine you being told, write your own sin. Tu peux imaginer, on te dit, write your own propre péché. Confess. Confess. Hello. Hello. Praise the name of the living God. Amen. You know, man of God, these are not the kind of messages that people love. Homme de Dieu, ça c'est pas les genres de messages que les hommes aiment. Yes, but mais dans cette église, I'm in a different, this where we are, this church will be receptive to the same. Are you ready? Et je crois que cette église sera vraiment un élément récepteur des choses de Dieu. Because you know, we're speaking about blessing, but I'm not saying about being blessed. Et vous savez qu'on est en train de parler de bénédiction, mais je ne mentionne rien sur la bénédiction. So many people will just want to know when I say. And then we do with the Kikongo. Aha, and then we say. Reçois. And then everybody does. What do you do? What do you say? Je reçois. Ah, no, no. When you say receive. Je reçois. Ah, no, no, no. There is another one. Not French. Kilingala. When you're speaking in Lingala. Nyakua. Yamba. Praise the Lord. Yamba. Uh-huh. And then we release and everybody's nyakua. Mm-hmm. You just want to just receive. Lorsqu'on libère la bénédiction, on reçoit ça. And you are rebel. Mais you are someone that. Oh, sorry. They are not here. Sorry. Let me not mention them. Désolé, ils ne sont pas ici. Just but. Let me speak about those people that are written in the Bible. Laissez-moi parler sur les gens qui sont écrits dans la Bible. Can you imagine Moses? I'm speaking about Moses. Vous pouvez imaginer Moïse, je parle sur Moïse. Because of his disobedience. À cause de son désobéissance. You will not enter. On lui a dit que tu n'entreras pas dans la terre. Because you did not glorify me. Parce que tu ne m'as pas glorifié. And he was told, you will see. Et on lui a dit que tu verras. And the day you will see it, et les jours où tu le verras, you will die. Tu mourras. So he had to make his house in order. Alors il devait vraiment mettre de l'ordre dans sa maison. And I say, when you disobey, whatever thing that you've been carrying will be given to your neighbor. Et je dis que lorsque tu désobéis, tout ce que tu as sera arraché de toi et donné à ton voisin. I say, if you will be disobedient, whatever thing that was bestowed upon your life, it will be given to another person. Je dis que lorsque tu désobéis, toute autre chose qu'on avait mis en toi comme bénédiction sera retirée et donnée à ton voisin. And God forced this man Moses. Et Dieu avait combattu cet homme. And told him. Et il lui a dit. Go and lay your hands. Va et impose tes mains. On Joshua, upon Joshua. Sur Josué. And when you lay your hands upon Joshua. Et lorsque tu vas imposer tes mains. I will transfer. Je vais transférer. Hey. I will transfer. That grace that was upon you will be upon him. La grâce qui était sur toi sera maintenant sur lui. That wisdom that was in you, that anointing will be upon la sagesse, l'onction qui était sur toi sera maintenant sur lui. Ask your neighbor, whom are you going to transfer to? Demande à ton voisin, à qui? À qui? If you will be disobedient, if you will be disobedient, si tu seras désobéissant, brother, frère, I love the way you do the bass guitar. J'aime la manière dont tu joues à la guitare basse. And the other rhythm. But if you not obey God, mais si tu n'obéis pas, someone else will be there with that rhythm. The same one sera avec la même guitare. And you will be no more. Et tu seras plus là. Praise the name of the living God. Béni soit le nom du Dieu. I am praying for you that you not be disobedient. Je prie que tu ne seras pas désobéissant. Amen. Amen. Let me show you another person. Laissez-moi vous montrer that disobeyed. Qui avait désobéi. You see. The children of Israel, les enfants de same way, de la même manière, did not obey God, n'avaient pas obéi Dieu. Hello? And because they did not obey, et parce qu'ils n'avaient pas obéi, and they tested God in the wilderness, et ils ont testé Dieu au désert. God told them,
Dieu leur a dit, I promised you, je vous avais promis, a land, une terre, full of milk, honey, plein de lait et de miel, houses that you did not build, les maisons que vous n'avez pas construites, vineyards that you did not plant, les jardins que vous n'avez pas, but you will not enter, mais vous n'allez pas entrer, you will all die in this wilderness, vous allez mourir tous dans ce désert. Hello? Hello. Are you listening? Yeah. Est-ce que vous écoutez? They all died in the wilderness. Ils sont tous morts dans le désert. All those people who saw miracles in Egypt. Tous ces gens-là qui avaient vu le miracle en Égypte. All of them, they died. Tous, ils étaient morts. Let me just do something and it's not bad. Laissez-moi faire quelque chose et qui n'est pas mauvais. If you are 20 years and above, lift up your hand. Si tu as 20 ans et au-dessus, tu peux lever ta main. Say, if you're 20 years and above. Si tu es 20, tu as 20 ans et au-dessus, tu peux lever ta main. Oh, okay, I'm still waiting. Hold it. Put it there. Hold it. Hold garde, your hand. Garde ça en l'air. Garde ta main en l'air. If you're 20 years and above. Si tu as 20 ans et au-dessus. Let me tell you, the way you are lifting up your hand. Laissez-moi vous dire la manière dont tu as levé ta main. Every sin you commit. Tout péché que tu as fait, you will not be forgiven. Tu ne seras pas pardonné. When God looks at you, lorsque Dieu te regarde, he says that you are grown up. Il dit que tu es déjà assez grand. He will not deal with you the way he deals with children. Il ne va pas te traiter comme il traite. Do you know he said, everyone that is 20 years and above will die in the way. Vous savez, il avait dit que tout celui qui a 20 ans et au-dessus mourront. Ceux qui sont plus jeunes, and the one that entered, ce sont ceux-là qui sont entrés apart dans le Canaan. Two people, à part deux personnes. And those people were 40 by that time. Et ces gens-là avaient 40 ans. Only two, seulement deux personnes. Joshua and Caleb. Josué et Caleb. All the others, mais tous les autres died, étaient morts. Just imagine, homme de Dieu, imagine-toi, living and entering somewhere when all your generation, the people that you play with, no more people, they are no more. Tu vis et tu entres quelque part lorsque les autres avec qui tu as joué dans ta génération sont tous morts. Do you know why you spoke about this? Savez pourquoi cela? So that you may know that the God we speak about is not a joke. Pour que vous puissiez savoir que le Dieu sur qui on parle n'est pas un blagueur. I see Christians joking nowadays. Je vois les chrétiens en train de joking with Christianity. Ils sont en train de jouer avec la chrétienté. They are joking with God. Ils blaguent avec Dieu. They are disobeying him. Ils sont en train de les désobéir. But God will allow you to go. Mais Dieu va te permettre d'aller. He will give you another chance. Il va te donner une autre chance. He gave Jonah another chance. Il a donné à Jonas une autre chance. After Jonah repented. Après que Jonas s'est repenti. You know where he repented from? Et vous savez là où il s'est repenti? In the very womb of the fish. Dans le ventre du poisson. Someone coming to preach to you. Quelqu'un qui vient vous prêcher. Smelling fish. Avec l'odeur de poisson, de ton sang. That's why all evangelists smell like a fish. C'est pourquoi tous les évangélistes sentent l'odeur de poisson. And all pastors smell like the sheep. Et le pasteur a l'odeur de brebis. Because they are shepherds. Parce qu'ils sont des bergers. Alléluia. And evangelists, they are fishermen. Et les évangélistes sont les pêcheurs. Praise the Lord, let me go. So this, they are fishermen. Le pêcheur des hommes. Alléluia. And when he came out, he said, I will preach. Il a dit que je vais prêcher. When he was in that womb, go and read in the book of Jonah, you will hear. Allez lire le livre de Jonas, vous allez voir. Go and read tonight the whole chapter of Jonah. Va ce soir lire tout le chapitre de Jonas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And you'll see the cost of disobedience. Le prix de la désobéissance. And when he was in there, he repented. Lorsqu'il était dans le ventre, il s'est repenti. God forgave him. Et Dieu l'a pardonné. You also, God is going to give you another chance. Toi aussi, Dieu va te donner une autre chance. I will give you a chance to repent. Je vais te donner la chance de te repentir. Are you ready to repent? Est-ce que tu es prêt?
I am asking, are you ready to repent? Tu es prêt pour te repentir? You know what is to repent? To repent means that you were once at the penthouse, there on top. Se repentir, cela veut dire que tu étais une fois au-dessus de l'immeuble. Because of your sin, you fell. Et à cause de tes péchés, tu es tombé. So to repent is to go back to the pent. Donc se repentir, c'est de remonter encore sur le pent. To go back to the pent is to kneel down. Remonter, c'est s'agenouiller. And also ask God for forgiveness. Et demande pardon à Dieu. Rectify your evil ways. Et rectifie tes voies. And then come back to where God called you. Et alors reviens de là Dieu t'a appelé. Then you will receive a blessing. Alors tu mériteras une bénédiction. Praise the name of the living God. Amen. Now let me finish with that. Maintenant laissez-moi terminer avec ceci. Oh, sorry, we spoke about the benefits of obedience. On a aussi parlé sur les bénéfices de l'obéissance. We saw in Job 36. On a vu verse en Job 11. 36 verset 11. That if they obey and serve Him. Que s'ils obéissent et le servent, they shall spend their days in prosperity. Ils vont passer leur vie dans la prospérité. And their years in pleasure. Et leurs années dans l'abondance. But if they obey not, mais s'ils n'obéissent pas, they shall perish by the sword. Ils vont périr par l'épée. And they shall die without knowledge. Et ils vont mourir sans connaissance. But B speaks about disobedience. Mais la Bible parle de A is speaking about the obedience. Mais A parle de l'obéissance. The disobedience caused the children of Israel to stay in exile for more than 70 years. Et la désobéissance a fait que les enfants d'Israël demeurent dans la captivité. Being controlled by the heathens. Ils étaient contrôlés par les étrangers. And all the nobles. Et tous les nobles. They were castrated. Ils étaient castrés. Hello? Are you listening? Yes. All the royal blood. They were castrated. Tous les sangs royaux étaient castrés. Because they didn't want them to see their children. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils puissent avoir des enfants. Like Daniel was one of them. Comme Daniel aussi était. Mishael was there. Et Meshach était là. The one that you call Shadrach. Et Shadrach aussi. Eh, Azariah was there. Azariah aussi était là. Call Abednego. C'est lui qu'on appelle Abednego. And even their names were changed. Même on avait même changé leur nom. Are you listening? Est-ce que vous écoutez? They, have you read the psalms that when they were mourning, saying? Est-ce que tu as déjà lu le psaume? They told us. Lorsqu'ils étaient en deuil, ils ont dit qu'ils ont dit. Mocking us. Ils se sont moqués de. Sing to us. Ils ont chanté contre the songs that you used to sing in Zion. La chanson qu'on chantait à Sion. That is the cause of disobedience. Ça c'est le prix de la désobéissance. Yeah. You will be singing good songs. Tu seras en train de chanter des bonnes chansons. To people who don't deserve them. Aux gens qui ne le méritent pas. Hey, that's very bad. Ça c'est très mauvais. And that's why I have seen even the gospel ministers. C'est pourquoi je vois même le musicien chrétien. Most of them gospel musicians. La plupart d'eux. Nowadays they don't sing in church. Aujourd'hui ils ne chantent plus dans l'église. They don't sing for worship. Ils ne chantent plus dans l'église. They sing for show. Ils chantent maintenant pour l'argent. They sing only to be seen by the kings. Seulement pour moi. They sing to be paid. Ils chantent seulement pour être payés. Because the glory is no more. Parce que la gloire n'est plus. It is because they disobeyed. C'est parce qu'ils ont désobéi. You know, I am praying for you. Je prie pour toi. That you will not die like them. Que tu ne mourras pas comme eux. The Bible says that they die without knowledge. La Bible nous dit qu'ils sont morts sans connaissance. Ah? You know, God spoke to Solomon and told him. Si ces gens n'obéissent pas, if they will not obey, s'ils n'obéissent pas, then, alors, I will make this place to be a byword. This place, this worship place, this magnificent temple that you see, people will be speaking about, saying that look at where they were worshiping.
Et je ferai que cet endroit n'existe plus. Ces grands temples dans lesquels vous adorez, les gens vont commencer maintenant à dire que là, il y avait un temple. I went to Israel. J'étais parti en Israël. And I confirmed it. Et je l'ai confirmé. God means what he says. Yes. C'est lorsque Dieu dit quelque chose, il le dit et il le fait. The magnificent temple that Solomon built was all demolished. Le grand temple que Salomon avait bâti était vraiment écroulé. And where it was, et là où il était, they built a new mosque. On a bâti un mosque. I'm telling you about Israel now. Je vous dis à propos d'Israël maintenant. Israël. Where there was that temple? Là où le temple s'est trouvé. If you go there, si tu vas maintenant aujourd'hui, there is a dome. A dome, they call it the temple dome. Il y a un temple appelé dome. That one now is it's for Muslims. C'est pour les musulmans. And that one, a Muslim has gold on top. Et pour le musulman, il y a une chose en or au-dessus. And you know when we go there, what we do? Vous savez lorsqu'on parle là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Nous les chrétiens, we go to a place to the ruins of that temple. On part dans un endroit, le ruine de la temple, du temple. To a place which is called Wailing Walls. On part dans un endroit appelé Wailing Walls. Wailing Wall. Mur de lamentation. That's where you go there and you see people praying and they grind things and stick them on the cross. C'est là que les gens partent, ils prient, ils pleurent et ils écrivent des choses. Ils mettent sur le mur. Every pilgrim that goes to Israel must go there. Every pilgrim must that goes to Israel must enter into that place so that you may know. When you disobey God, what will happen? Tout voyageur qui part en Israël doit aller là-bas pour savoir que lorsque tu désobéis, ce qui va t'arriver. Praise the name of the living God. Amen. Now let me tell you. Maintenant laissez-moi vous dire. I told you it's a lie when someone tells you you are blessed. Je vous ai dit que c'est le mensonge lorsque quelqu'un te dit que tu es béni. And then you look at your life. Alors lorsque tu regardes ta vie, and you yourself, you know, et toi-même tu le sais, you are not blessed. Tu sais que tu n'es pas béni. Alors, and then there are some people here. Alors il y a des gens ici. Not they are here. Ici, pas là-bas ici. When they look at you, lorsqu'ils te regardent, they want to tell you I bless you. Ils veulent te dire que je te bénis. And they don't carry that thing. Mais ils ne portent pas cette chose. They don't have it. Ils n'en ont pas. They don't have that blessing. Ils n'ont pas cette bénédiction. How can you give what you don't have? Comment est-ce que tu peux donner ce que tu n'as pas? Yes. How can you give what you don't have? Comment tu peux donner ce que tu n'as pas? So this is a challenge to all of us. Ça c'est vraiment un défi pour nous tous. May we seek this God of the blessings. Est-ce qu'on peut chercher ce Dieu de bénédiction? Let us obey. Obéissons. And then we checked also in the chapter. I'm just doing something because I told you this is the foundation. Yes. Je vous ai dit que ça c'est le fondement. Donc, and if the foundation is wrong, pour le fondement, whatever thing that we will build upon this, lorsque le fondement est faible, will be tested. Là-dessus, sera testé aussi. Deuteronomy 28, verse 1 says that if you will be obedient, hearken to the voice, verse 1 and 2, of all those things which I have told you, Deuteronomy 28, 1 nous dit, verset 1 à 2, and you observe to do them, que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et tu fais all these blessings, et tu fais les instructions, alors follow les instructions vont te suivre. Now, let us count those blessings. Maintenant, comptons ces bénédictions. Amen. Amen. Blessing number one. Bénédiction numéro 1. You will be blessed in the city. Tu seras béni à la ville. Hallelujah. Amen. 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 Let us test it now here. Testons ça maintenant. How many people here you have two plots or three plots in this city? Combien de gens ici qui ont deux ou trois parcelles dans cette terre? Lift up your hand. Lève ta main. Okay, I said two. Deux parcelles. Two, you have more than two plots. Tu as plus de deux parcelles. Here in this city. Dans cette ville. Okay. And then you say, you will also be blessed. Et la Bible dit, tu seras si béni.
in their country. Dans le village. They have come to Ushabo. Dans le village. How many people have like more than 5 acres in Ushabo? Combien de gens ont plus de 5 hectares au village? 5 acres of land. 5 hectares. Not in the city, up country. Pas en ville, mais au village. Hey, we are speaking about the blessings. Nous sommes en train de parler sur les bénédictions. Man of God, yes. Maybe it is not me. Peut-être que ce n'est pas moi. Can you read for us chapter 2, chapter 28, verses number 2? Tu peux lire. Read number 2. Let us count on the blessings. If you don't have them, si tu ne l'es pas. And when you say we fast, you are not fasting. Et on dit que on jeûne, toi tu ne jeûnes pas. Hey, there is trouble here. Il y a vraiment des problèmes. Praise the name of the living God. Amen. I want you to count, and then you know there is a song saying, "Count your blessing." Il y a une chanson qui dit, one by one, de bénédiction. How many can you count? La seule autre, combien tu vas compter? There is a song. How many can you count? Il y a une chanson qui dit, combien de bénédictions vas-tu compter? Huh? Many. Okay, let us see the blessing that the Bible spoke here. Voyons maintenant le if you have Bible. One when we shout it, say amen. Si tu as une bénédiction, amen. If you faithfully obey the Lord your God. If you faithfully obey the Lord your God. And carefully follow all His commands. And carefully follow all His commands. Receive you today. Today. Aujourd'hui. Lord your God. The Lord your God. Set you high above all nations. Sur toutes les nations. You will be set high above nations. On te donnera la supériorité sur les nations. Anyone here that have ever sat with any government official that is high? Quelqu'un ici qui s'est déjà mis assis avec un gouverneur qui a une autorité élevée dans ta terre? You have ever sat with a governor? Tu t'es déjà mis sur la même table? You have sat with the president, deputy president, avec le président, cabinet minister, avec le ministre. And then they ask you. Alors il te demande. What can we do? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Because the Bible says that he will set you high. Parce que la Bible dit qu'il te donnera la supériorité. Above. Sur tout. You will be not beneath. You will be beneath. You will be high above. And these are blessings which will come upon you. These are the blessings that will come upon you. Sur toi. You will be blessed in the city. Blessed in the city. Béni dans la ville. And in the country. And in the country. Et the country le is where I'm telling you there. Up country. Le village, c'est là où je te parle là-bas. Let me ask you here. Do you have anything in the up country? Laissez-moi vous demander. Est-ce que tu as quelque chose au village? Hand. I want to see now. Don't you fear? N'aie pas peur. Just lift ta main. Man of God, before here, they don't have even the maize down there. They don't have anything. And they are, and when they go there, they. Il y a des gens au village, ils n'ont rien. They walk as if they are coming from Nairobi. Et quand ils vont au village, ils marchent comme si ils coming from the city. Ils proviennent de la ville. Mais tu n'as rien du tout. Hey. Even there you don't have it. Here you don't have it. And you say you're blessed. Hey. 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 When you get there, even the person that rides you in a motorbike. Lorsque tu arrives là-bas, même la personne qui te porte sur la moto. Is greater than you. Il est plus grand que toi. Lorsqu'il est là, c'est lui qui contrôle. And then you tell him, if you stay here 3 weeks, you will be all this makeup will go. Et il va te dire, si tu restes ici pour 3 semaines, tous ces maquillages vont partir. Number 3. Numéro 3. Listen, I want you to count. Afin que vous puissiez compter. The fruit of your womb. Les fruits de tes entrailles. Will be blessed. The fruit of your womb will be blessed. Seront bénis. That one most of you have. C'est ce que vous avez. Hey,
Alléluia. Amen. Most of you, you have. La plupart de vous, vous en avez. But some they have the fruit of the womb, and but the fruit of the womb is not blessed. Mais certains ont le fruit de leurs entrailles, mais qui ne sont pas bénis. They are crying here, saying, "Pray for my daughter." Ils sont en train de pleurer en disant qu'ils prient pour ma fille, prie pour mon fils. Why are you praying for your son and your daughter and their fruit? Pourquoi est-ce que vous avez prié pour ton fils? Man of God, et lorsque tu viens chez moi, tu dis que ma fille vraiment, ma fille est devenue vraiment un problème. Elle a encore eu un enfant. Qu'est-ce que je veux faire? Aïe. Then, hello. When the man of God will be here saying, je veux bénir le fruit des enfants. And some of them, the fruit of the womb is blessed. Et quelques-uns d'entre eux, les enfants sont bénis. Ils ont le fruit des enfants. But they cannot educate those children. Mais ils ne peuvent pas éduquer ces enfants. Your children are not educated at all. Les enfants ne sont pas éduqués. God forbid, they will not be chocolates in Jesus' name. Say, from today, I will be blessed. The fruit of my womb will be blessed. Les fruits de mes entrailles seront bénis. Okay, for men we say seed or seeds. Pour les hommes, on parle de semences. Yeah, we give them seeds. On donne des semences. And then your seed, when that seed is joined with that womb, it becomes your genealogy. Et alors que la semence se joint avec les entrailles, devenant des générations. The progenitor, you're supposed to leave a blessing to those children. Vous maintenant, les progéniteurs, vous êtes supposés à laisser des bénédictions pour ces enfants-là. A righteous man gives a gift from children's children. Leaves a gift. Il a reçu de ses parents. Okay. What? Some of you are hustlers. Certains d'entre vous êtes des prières. That's why you have joined UDA. C'est pourquoi vous avez rejoint les. Hey, you are hustler nation. You don't have anything. Vous n'avez rien. You are hustling. Oh, sorry, you don't know UDA. Sorry. That is from us alone. Vous avez rejoint les associations de débrouillards. You don't have anything. You never received anything. And then the Bible says you should also, even if you didn't receive anything from your father, you should leave an inheritance to your children's children. La Bible dit, même si tu n'as rien reçu de ton père, mais toi tu dois laisser un héritage pour les enfants de tes enfants. That's now what you're speaking about, blessing. C'est maintenant ce que tu dis bénédiction, ce que tu appelles bénédiction. Amen. And I don't want to enter into that area because there are some people that fruit of the womb was not, did not just come because it was a blessing. Je ne veux pas entrer dans ce cadre-là parce que beaucoup de personnes, ces fruits des entrailles n'étaient pas venus comme bénédiction. Some was a coincidence. Les autres étaient juste des coïncidences. Some accidentaux. Et d'autres des accidents. Some they don't want to say. Et certains je ne vais même pas voir. Nevertheless, we can see the results. On peut voir toujours les résultats. And if you ask him from heaven like Mary, you should be having one blessing for all of us. Et si tu demandes au Seigneur, read the next verse. You in verse? Verse 4. Verse 4, listen. Écoutez. We are counting the blessing now. Nous sommes en train de compter les bénédictions. The crops of your land and the young of your livestock, the calves and of the calves of your herds and the lambs of your flock. Listen. Les fruits de tes troupeaux, les portées, de ton bois et de ton bétail, toutes ces choses seront bénies. It's called the fugo. Les troupeaux. Do you have chicken? Est-ce que tu as les les poules? Ask your neighbor, do you have any chicken? Est-ce que tu as des poules chez toi? You don't have chicken. Tu n'as pas de poules. Okay, it's okay. Maybe. C'est bon. Maybe the weather there is not bad. It's peut-être not that que good. Le climat là-bas n'est pas bien. Ask your neighbor, do you have any goat? Demande à ton voisin, est-ce que tu as des chèvres? Do you have a cow?
Est-ce que tu as de bœufs? Huh? You have calves? Tu as de vaches, tu as de chèvres, tu as de moutons. Do you? Est-ce que tu en as? Okay. Then ask your neighbor. For me. Maintenant dis à ton voisin pour moi. Have they taken dowry? Est-ce qu'on t'a déjà, on a déjà donné la dot pour toi? To your father's place. On a déjà donné la dot chez vous. On a déjà payé la dot chez vous. Did they? You know here you have to take the real cow. Vous savez ici tu dois amener la vache. La mousse. La vache et. And you see some boys here you want to marry and you don't have even one mousse. Et vous verrez des gens ici qui veulent se marier mais qui n'ont même pas une chèvre. And for you to marry, first of all, to show that you can take care, you have to give a mousse somewhere. Donc pour que on se rassure que tu vas bien prendre soin de la femme, tu dois donner la chèvre quelque part. Atakuku hauna. Tu n'as même pas un pou. I am blessed. Alors maintenant à la prochaine de Dieu dans le verset 6. You will be blessed when you come in. You will be blessed when you come in. Tu seras béni quand tu arriveras. Et tu seras béni à ton. You will be blessed when you come in. Tu seras béni à ton. And you will be blessed when you go out. Et tu seras béni à ton départ. Ask your neighbor. Demande à ton voisin. What did you come with? Qu'est-ce que tu étais venu avec? Who did you come with? Nobody will ever bless you when you are coming with. Even your parents cannot bless you. C'est pourquoi même tes parents ne peuvent pas te bénir. Because when you get there, first of all, they check what have you brought. Parce que lorsque tu vas chez eux, ils vont d'abord vérifier ce que tu as amené. So that when you are going out, they say, my child, you are blessed. Pour que au moment où tu vas repartir, on va te dire, mon enfant, sois béni. And when you are going out, you know what they do? Et lorsque tu ressors, tu sais ce que they tu as fait. To the field to make sure that they bring you some bananas. Ils vont aller au champ, ils vont prendre le bassin, les carottes. You because they did not bless you, you are buying them here in the streets. Mais toi, parce que tes parents ne t'ont pas béni, tu vas acheter cela ici au marché. Allô? Allô? You will be blessed when you come in, when you go out. Tu seras béni à ton arrivée, à ton. All this I'm telling you, this are the result of obedience. Tout ce que je vous dis maintenant sont des résultats de l'obéissance. But number 7. Mais numéro 7. Verse 7. Everyone loves it. Tout le monde l'aime. Everyone loves it. Tout le monde l'aime. And you will, if a man of God will just be praying for number 7, you will see everybody will be just be. Et on te dit, lorsque tu seras en train de prier pour le numéro 7, tout le monde sera content. Read verse 7 says, enemies who rise up against you. All your enemies, the enemies that will rise against you. Tous les ennemis qui se lèveront contre toi. Will be defeated before you. Will be defeated before you. They will come in one way. They will come in one way. And run in, from you in seven directions. And run from you in seven directions. Et s'enfuiront devant toi. Do this in Jesus. All my enemies. Fais ceci, tous mes ennemis. Lorsqu'ils seront en train de venir, ils seront dispersés automatiquement. In seven directions. Dans sept chemins différents. Ok, let me leave that. Now, look at number 8, your stop. Maintenant, regardez maintenant numéro 8, verset 8. Amen. Read it. The Lord will send a blessing. Uh-huh.
L'Éternel ordonnera ta bénédiction. Ah? On your bands. On your bands. Et avec toi dans tes greniers. On everything you put hand on. Et dans toutes les entreprises. Bands. Le grenier. Bands and the banks. Les greniers et les banques. Les greniers sont des banques. If your account has more than, or maybe for the last, let me not just say, because you don't want to know what you have. For the last 1 year, your account in and out, 2 million, 1 million, 3 million has passed through in your account. Just do this. Si tu as déjà gardé l'argent dans ton compte pendant toute cette année, just do this. S'il y a des mouvements qui se sont faits dans in ton compte, for the last 1 year, 1 million, 2 million, 3 million, just pass through your bank account. Si tu as déjà gardé l'argent dans ton compte et tu as arrêté, il y en a passé. Le pasteur va regarder, et le pasteur va regarder, va voir. Ok, put your hands down. The rest of you, what are you doing in Nairobi? Le reste, vous qui restez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire à Nairobi? So, you are the Fuliza nation. Vous êtes une nation de Fuliza. Ok, no problem. No problem. May the Lord give you peace. May the Lord give you peace. Now I am finished with all that. You go and read up to verse 15. Allez maintenant lire jusqu'au verset 15. And see all those blessings coming on your way. Et tu vas voir toutes ces bénédictions. So your bank should be having something. Donc ton compte doit avoir quelque chose. Allô? And if your bank does not have some anything, it doesn't mean that God did not release something to you. Si ton compte n'a rien, cela veut dire, cela ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas donné. It is your management. C'est juste ta gérance. You should manage every resource that comes to you. Tu dois bien gérer tout le bien que tu reçois de Dieu. Hello. May I tell you the truth? Est-ce que je peux vous dire la vérité? Along with the truth, et rien que la vérité. Money don't love church. Money don't love church. L'argent n'aime pas l'église. Did you hear that? Money does not respect your anointing. L'argent ne respecte pas ton onction. Money does not respect your prayers. L'argent ne respecte pas tes prières. Are you listening? Est-ce que tu écoutes? Money respects the way you handle it. L'argent respecte la manière dont tu le gères. Why is it those people who are not Christians they have money? Pourquoi est-ce que tous ces gens-là qui ne sont pas des croyants ont de l'argent? Some of them they are not like this. Certains d'entre eux ne sont pas des voleurs. Hello? Hello. Okay. You deal with it. Toi, traite avec ça. God will see you. Dieu va te voir. Now I finish with this as we pray together. Maintenant, je vais terminer avec ceci pour qu'on puisse prier. I will not speak about the disobedience and the obedience again. Je ne vais plus parler sur l'obéissance ni. But maybe we'll talk with somewhere else. Peut-être qu'on va le voir quelque part d'autre. Read with me in the book of Matthew chapter number 6. Lisez avec moi Matthieu chapitre 6, on va terminer avec ça. And if you're getting blessed, amen. Et si tu es béni, dis amen. If you want to come tomorrow, shout a big hallelujah. Si tu reviendras demain, crie un grand hallelujah. And say if you still you will come tomorrow, shout a big hallelujah. Si tu vas venir aussi demain, crie hallelujah. Okay. Do you know why I'm telling you this? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que je vous dis? The Bible says, "Better is the rebuke of the wise." La Bible dit que than the sons of the fools. Mieux que la reproche d'un sage que la chanson d'un insensé. Foolish people just saying to you things, telling you how you are going to get this and that and that. Les insensés vont te dire des choses. Even your mind is not made up to get that project. Mais toi-même, tu n'es même pas préparé pour ces projets. Hello? You know, some of the things, some of the blessings comes with the capacity in your mind. Vous savez, certaines bénédictions viennent selon la capacité. That's why I was praying for your mindset. C'est pourquoi j'ai prié pour votre esprit. And I will show you later for you to be that progenitor, the pioneer. You must change your mindset. Et je vais vous montrer après que pour que tu sois un pionnier, tu dois avoir un bon esprit. Matthew 6:33.
Matthieu 6, 33. The Bible says, but seek ye first the kingdom of God. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume. And his righteousness. Et sa justice. And all these things shall be added unto you. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. So I will pray for you that God will give you and you will obtain the status of righteousness. Et je prie que tu recevras la justice de Dieu. It goes when you seek you. Right now, I'm not telling you to seek the kingdom. Maintenant, je ne te dis pas de rechercher le royaume. You are already in the kingdom. Tu es déjà dans le royaume. Hello? Amen. Are you listening? Yes. You are already in the kingdom. Tu es déjà dans le royaume. Are you born again? Est-ce que tu es né de nouveau? I am asking, are you born again? Demande, yes. Tu es né de nouveau? If you are born again, you have entered into the kingdom. Si tu es né de nouveau, cela veut dire que tu es déjà dans le royaume. Now you should seek for the righteousness thereof. Maintenant, tu dois rechercher la justice. This kingdom operates in righteousness. Ce royaume opère dans la justice. If you're not righteous, si tu n'es pas juste, some things will not be having. Quelque, tu n'auras pas beaucoup de choses. Oh, let me tell you. Do you know what you've been looking for? Tu sais ce que tu es en train de chercher? What you've been searching? Ce que tu es en train de chercher? There is someone that has plenty of what you're looking for. Il y a quelqu'un, il y a une personne qui a l'abondance de ce que toi tu recherches. Okay. Let me see what I can give you. Laissez-moi voir ce que je peux vous donner. Okay. Anyone who needs two bedrooms, apartment. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une maison et d'une chambre. Are you looking for a car? Est-ce que tu es en train de chercher une voiture? Are you looking for a plot? Tu es en train de chercher une parcelle, land, un terrain. Okay. Are you looking for a husband? Tu es en train de chercher un mari. Are you looking for a wife? Une femme. Do you know all? Not only those. Pas seulement ça. Everything that you will mention. Toutes choses que tu vas mentionner. Even money. Même l'argent. Ah? There is someone who has it in plenty. Il y a une personne qui en a en abondance. You know there are some people who don't know what to do with money. Vous savez qu'il y a des gens qui ne savent même pas quoi faire avec l'argent. And you can do anything to get money. Mais toi tu peux tout faire pour avoir l'argent. And still you're not getting that money. Mais tu ne trouves toujours pas l'argent. Something is wrong. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hello? Yes. Something is wrong. Il y a quelque chose qui ne va pas. Let me tell you the truth. Laissez-moi vous dire la what you are looking for right now. Ce que tu es en train de chercher maintenant. It will just be added to you freely. Ça te sera donné par-dessus gratuitement. You don't need to labor for it. Tu n'as même pas besoin de travailler là-dessus. Hello. Amen. When you are righteous. Seulement lorsque tu es juste. Before the Lord. Devant Dieu. If you are righteous before the Lord. Si tu es juste devant Dieu. He will add to you. Il va te donner. Ajouter les choses. And when you will be faithful, et lorsque tu seras fidèle, enough, tu seras assez fidèle. He will tell you something. Il va te dire quelque chose. He told me one day. Il m'a dit un jour. Addition is too slow. Addition l'addition is too slow. Très long. Now I will multiply. Amen. Maintenant je vais multiplier. And God told Abraham, I will multiply. Et Dieu a dit à Abraham que je vais multiplier your blessings, ta bénédiction. And you become a blessing to many nations. Et tu deviendras une bénédiction pour beaucoup de nations. When you be righteous, lorsque tu seras juste. Tomorrow I will define what is righteousness. Demain je vais donner la définition de righteousness. Stand on your feet. Stand on your feet right now. Stand on your feet. The Bible says righteousness exalts a nation. La Bible nous dit que la justice élève une nation. But, le péché, c'était un reproche pour tout le monde. So if you are sinful, si tu es un you are not righteous, si tu n'es pas juste, you see, righteousness exalts. La justice élève. Sin brings reproach. Le péché rabaisse, amène le reproche. Are you listening? So why is it? Why do you have shame in your life? Pourquoi est-ce que tu as beaucoup de honte? Why are they ashamed in you anyway? Pourquoi est-ce qu'ils ont toujours honte de toi?
First of all, we have seen you have been disobedient. You have become rebellious. Now you're not righteous. My message is not for condemnation. Mon message n'est pas pour vous. I'm not condemning you. Je ne vous condamne pas. I am showing you the way. Je suis en train de vous montrer to see they are in. La voie pour que vous puissiez être. Et vos vies ne resteront plus jamais le même. I want us to pray. Je veux que nous puissions prier. Tell the Lord you will be obedient. Dis à Dieu que tu seras obéissant. And you will hour count your righteousness. Et tu vas compter tes bénédictions à chaque heure. You will work out your righteousness. Tu vas travailler sur so that you go to the next level. Pour que tu puisses aller dans tout ce bénéfice de bénéfice. Vont venir sur son chemin. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Lift up your hands before the Lord and start to talk to the Lord. Start to talk to the Lord right now. Start to talk to the Lord right now. Just to start to talk to the Lord.